c'est la dernière course. Hier, j'ai fait les 10 km, avant-hier, j'ai fait les 5 km. Donc là, pour faire le semi, ça va être un peu chaud quand même. Troisième course et dernière course. L'équipe Ratatouille ici. Mon passage préféré quand on rentre à Walt Disney Studio. Je trouve ça excellent. Un de mes passages préférés. Kilomètre 1. Ah, il y a le départ pour les autres. Ah, je crois qu'on est filmé en haut là. L'hélico. Là, c'est mon deuxième passage préféré. Vraiment, on rentre dans les décors où d'habitude on a vraiment cet accès interdit. Donc c'est vraiment intéressant de visiter ça. Et j'ai la chance d'y être passé 3 fois déjà. Donc là, les décorations d'Halloween qui commencent à être installées. C'est super beau. Faut vraiment profiter parce que c'est magique. Et voilà le château. Et ça, c'est les spectateurs qui sont un peu endormis quoi. Allez, allez, allez. Aventureland, c'est parti. Il y a un bout de la parade qui est présente ici. Oh, avec toutes les bulles. Donc, quand j'ai fait les 10 km hier, on était dans l'autre sens. Ça qui est pas mal, c'est que ça change. Et oui, on s'est levé hyper tôt pour participer à cette course. Et il y a le lever du soleil. En tout cas, c'est super beau. Le gars, il fait un marathon avec un siège roulant exprès. Le mec, c'est Superman. En fait, après, il y a une bigue de montée. Enfin, une bigue. Un petit faux plat, quoi. On a une célébrité derrière nous. Il est champion de monde, des JO, de je sais pas trop quoi. Comme ça. Voilà. Et bah, y a de l'ambiance ici, malgré qu'on soit plus dans le parc. Habillée exactement comme moi, avec un tutu vert comme ça, un peu plus clair, et des petites fleurs dans les cheveux. Elle était de l'autre côté, on s'est regardé,
s'est mis à éclater de rire. Donc si tu me vois hein, dans cette vidéo là, je te fais coucou. Ok. Les gens ils sont trop fous à Disney. Un peu, ils sont trop motivés et tout à fond. Même quand ils sont tout seuls, ils sont là. Ouais. Même quand ils ne connaissent pas surtout. Ouais. Ouais, c'est Cécile. Ouais, elle s'est levée à 4h30 du mat. Ouais. Yeah.